En ratifiant la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques le 30 juin 1994, la République du Bénin s'est engagée à soumettre une communication nationale sur les changements climatiques à la conférence des parties tous les 4 ans. La première communication a ainsi été soumise en 2002, la deuxième en 2011 et la troisième en octobre 2019. Malgré les difficultés, le Bénin se réjouit d'honorer ce devoir. Notre pays, avec la soumission de la troisième communication nationale et du premier rapport biennal actualisé à la conférence des parties en octobre 2019, renforce sa volonté à se joindre aux efforts mondiaux visant à faire face à la menace planétaire que constituent les changements climatiques. L'appropriation du contenu de ces deux documents est indispensable à toute personne impliquée dans la lutte contre les changements climatiques et le développement durable du Bénin. C'est à cette fin qu'il a été procédé à la vulgarisation des 10 documents ce jeudi 19 décembre 2019 à l'InfoSec de Cotonou. Les dispositifs institutionnels décrits et les données et informations actualisées fournies dans ces documents sont cruciaux et constituent le socle pour une meilleure participation du Bénin au futur régime climatique à partir de 2020, en particulier les rapports nationaux à fournir au titre du cadre de transparence renforcé et pour le bilan mondial qui sont les éléments clés du mécanisme d'ambition de l'accord de Paris. Ces données présentent également un intérêt indéniable au plan national dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique, l'adaptation au changement climatique, le développement durable, le renforcement des capacités, la mobilisation des ressources nécessaires, la sensibilisation et l'information du public, l'actualisation des contributions déterminées au niveau national. Ces deux rapports sont disponibles à la Direction générale de l'environnement et du climat et sur le site de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.